Salam alaikum Mangadef, donc ça y est, petite vidéo depuis l'Afrique, hein. Ça faisait un petit moment que j'étais parti et comme je vous l'avais dit, bah, y aurait voilà, une longue période sans vidéo qui est maintenant terminée. Donc effectivement là, j'ai passé quelques temps en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, donc dans le cadre de mes études. Hein, j'étais pas trop ici, ni en vacances, ni en mission, ni pour de l'humanitaire ou quoi que ce soit, comme certains ont pu penser, mais vraiment dans le cadre de mes études. Ça va pas être le sujet d'aujourd'hui. Je pensais donc vous faire un petit retour en gros sur mon séjour ici. Pas pour vous faire quelque chose en mode voyage, en mode touriste, parce que c'est pas le but de la chaîne et vous êtes pas là pour ça, et moi non plus. Si vous avez envie de découvrir le Sénégal ou un autre pays d'Afrique, bah, y a plein de vidéos qui vous le proposent déjà. Moi j'ai envie de vous faire un petit retour plutôt, on va dire, d'un point de vue survivaliste, hein, comme d'habitude. Donc je vais vous faire un petit retour sur le séjour en m'appuyant en gros sur les 7 points, les 7 points de l'autonomie. Je vais pouvoir un petit peu vous parler des différences entre la France et ici, d'un point de vue de ces points-là, donc c'est-à-dire sur l'eau, sur la nourriture, sur l'hygiène et la santé, sur l'énergie, sur les connaissances, la défense, la sécurité et enfin le lien social. Donc comme ça on va balayer un petit peu les 7 points de l'autonomie, voir un petit peu les différences avec la France et ce qui est mis en place ici et comment ça se passe en gros. Premier élément, l'eau, bien évidemment vitale. Alors par rapport à l'eau, il faut savoir que là on y était pendant la saison sèche, donc on pouvait parfois manquer d'eau, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas en ville les coupures d'eau étaient assez fréquentes, arrivaient une fois de temps en temps. Donc il y a de l'eau courante, en tout cas en ville et dans les grandes villes, mais elle n'est pas forcément potable partout, donc dans le doute on évitait de la consommer. Il y avait même des publicités à la télé parlant du traitement de l'eau, hein, c'est ce qui est toujours très intéressant de voir. Et qui encourageait à l'utilisation d'Aquatabs. Enfin, c'était des publicités pour Aquatabs. Donc comme il fallait éviter de consommer l'eau du robinet et qu'en plus on avait régulièrement des coupures, eh bien on faisait comme les locaux et on faisait comme tout le monde, fallait consommer donc de l'eau en bouteille. Donc on pouvait acheter des bidons de 10 litres un petit peu partout, ou même des bouteilles plus petites. On pouvait même parfois tomber sur des pochons d'eau distillée. À la campagne, on a remarqué donc, bien sûr l'utilisation massive des puits et des châteaux d'eau privés. Sa pompe et voilà, une petite cuve mise en hauteur permettant d'avoir de l'eau chaude et en plus courante. Deuxième pilier, la nourriture. Alors je ne vais pas vous faire un topo sur la cuisine africaine, hein, ça ne va pas être le sujet de la vidéo, mais ce qui va être intéressant de noter, ça va être les approvisionnements en deux types de produits. Tout d'abord les produits, on va dire, africains, les produits frais, les produits locaux, issus de l'agriculture, ou même les produits manufacturés made in Africa, et les produits d'importation, qui peuvent par exemple venir d'Europe ou même d'ailleurs. Au niveau des ressources premières, la pêche est très présente, due à la présence à proximité de l'Atlantique. Donc la pêche est vraiment une ressource très importante, beaucoup plus que la chasse, et également l'élevage. Les animaux sont partout, même en ville. On a des animaux d'élevage, des chèvres, des lapins et surtout des poules, ce qui permet l'approvisionnement en œufs frais et pour pas cher, un petit peu partout. Et tous ces animaux-là en ville, malgré les problèmes sanitaires, contribuent à éliminer une partie des déchets de la maison, par exemple. Troisième pilier, l'énergie. Alors tout d'abord l'électricité. Alors il y a peut-être les trois quarts de la population qui sont couvertes par le réseau électrique, et encore je suis sans doute optimiste. Majoritairement des centrales thermiques, hein, pour produire cette électricité, mais on a tout de même là 4 centrales photovoltaïques, et peut-être encore plus à l'avenir. Le réseau électrique est faillible, comme le réseau d'eau, on a régulièrement des coupures d'électricité.
On a pu constater à la campagne une certaine résilience qui était possible, comme chez nous, soit avec des groupes électrogènes, soit eh bien, avec du photovoltaïque, bien sûr, soit directement pour la production d'électricité, soit, comme on a vu, pour chauffer l'eau, directement en utilisant le solaire. Au niveau des moyens de cuisson, eh bien, le gaz est vraiment très très présent, vraiment partout. On utilise des bouteilles de gaz, il n'y a pas de réseau de gaz de ville, mais des bouteilles de gaz sont vraiment partout. Pour la cuisson, donc directement sur petits réchauds, sur plaques, sur gazinières, comme chez nous. Et également, eh bien, il y a encore beaucoup la cuisson au bois ou au charbon, surtout à la campagne, que ce soit dans des petits poêles, ou dans des fours à bois, plus grands. Alors parler de l'énergie, ça me permet aussi de faire un petit aparté sur les transports. La particularité du transport, c'est que le carburant est presque aussi onéreux qu'en Europe, ce qui fait que seules les personnes les plus aisées, eh bien, peuvent se permettre une voiture. Pour les plus pauvres, il y a d'autres moyens qu'on verra après. Au niveau des véhicules, ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que la chaussée n'est pas forcément toujours parfaitement carrossable partout, hein, c'est constamment en travaux et en voie d'amélioration, de modernisation, de bitumisation. Au niveau des véhicules rencontrés, on voit vraiment de tout, hein. Il y a aussi bien des SUV modernes que les plus riches peuvent se payer, mais on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieilles voitures françaises. On retrouve, hein, nos bonnes vieilles 19, 21, etc. Et également beaucoup de japonaises. Et même des Kangoo, hein. Il y a des Kangoo sur place, il n'y a pas de souci. Au niveau des autres moyens de transport que la voiture, eh bien, il y a les transports collectifs tels que les célèbres bus dakarois, mais également les taxis. Et ça, c'est vraiment le mode de transport qu'on va pouvoir utiliser très facilement, tant ils sont partout et très abordables. Vous allez pouvoir traverser la ville pour 2-3 euros très facilement, étant donné l'offre de taxis qu'il y a et l'énorme flotte de taxis qu'il y a. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que, eh bien, malheureusement pour les plus pauvres, les transports restent un gros poste de dépense, et donc il y a encore beaucoup de chevaux, pas tant pour le transport de personnel que pour le transport de marchandises, par exemple pour les commerçants, les artisans, les paysans, etc. Quatrième pilier, l'hygiène et la santé. Alors je vais pas vous faire un topo sur l'importance de l'hygiène pour prévenir les maladies. Que dire sur la santé au Sénégal? On peut noter que bon, vous allez pouvoir trouver les mêmes produits d'hygiène que chez nous, il n'y a aucun souci. Même si la santé reste quand même pareil, un poste de dépense important, surtout pour les plus pauvres, dans ce pays où il n'y a pas encore de sécurité sociale, bien qu'elle soit encore en projet. Donc les soins sont à vos charges, à moins d'avoir une mutuelle ou une tontine, comme on verra plus tard le principe. Au niveau des soins, donc le système de santé est en développement, mais vous allez pouvoir trouver un petit peu partout. Bon, il y a des hôpitaux, il y a des cliniques, il y a des postes de santé, des dispensaires qui vont pouvoir assurer des soins, et des dispensaires aussi, qu'ils soient publics, laïcs ou bien religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Ce qu'on peut dire d'autre, et eh bien également que la médecine moderne cohabite avec la médecine traditionnelle et les remèdes de grand-mère. Alors avec notre budget européen, on peut dire que les soins coûtent relativement peu cher. Par exemple, voir un médecin, ça va coûter moins d'un euro, mais pour la population, ça reste quand même très cher. Cinquième pilier, la connaissance. Donc d'habitude, dans ce pilier-là, on rassemble tout ce qui va être culture, savoir-faire, profession, expérience, etc., etc. Donc on peut également rassembler les métiers, l'artisanat. En gros, tout ce qui va faire les connaissances et la culture d'un peuple et d'un pays. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ça mériterait des vidéos et des vidéos entières de parler de tout ça. Mais en gros, quelque chose d'extrêmement varié et bien sûr de bien différent dans l'Europe. Sixième pilier, la sécurité et la défense. Alors au Sénégal, on est dans le pays avec le plus bas taux de criminalité d'Afrique de l'Ouest. Que dire, on a une présence très régulière et très fréquente de l'armée, de la gendarmerie, un petit peu partout pour contrôler tout ça, éviter les bandits, comme on dit là-bas, il y a des bandits. Et on a constaté également une défense passive vraiment, vraiment très présente au sein de la population, que ce soit par l'utilisation de murs ou, comme vous voyez sur ces images, par l'utilisation de tessons de bouteilles un petit peu partout pour sécuriser les périmètres des habitations. Ça, c'est vraiment quelque chose de fréquent et qui se fait pas chez nous. Donc une défense passive très présente. S'il fallait y avoir une défense active, alors on est dans un pays où la détention d'armes est autorisée pour la chasse, mais également il existe le port d'armes. Donc le port d'armes, après démarche administrative et obtention d'un permis, existe au Sénégal, mais est donné à peu près un millier de personnes par an pour un pays de 14 millions d'habitants.
Et enfin, septième et dernier pilier, le lien social. Alors vous avez tous déjà entendu parler de l'importance du lien social dans les communautés africaines. Effectivement, il y a une très grande coopération, une très grande entraide entre générations, entre personnes du clan, entre voisins, entre amis, entre collègues, etc. Il y a vraiment cet esprit de communauté et d'entraide qu'on retrouve. L'un des exemples, c'est la tontine, par exemple, quelque chose qu'on n'a pas chez nous malheureusement et qu'on pourrait mettre en place. Donc la tontine, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une mutuelle à l'amiable qu'on va monter entre personnes du clan, donc entre amis, entre collègues, dans la famille par exemple, avec les oncles, les tantes, les cousins, etc. Une espèce de cagnotte commune dans laquelle on va pouvoir eh bien, taper si quelqu'un de la communauté a un souci, un besoin d'argent, par exemple pour de la santé ou pour tout autre problème. Donc voilà un excellent exemple de l'importance du lien social au sein de nos communautés. Donc voilà, fin de la vidéo, fin de l'exposé. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça n'aura pas été trop long. Si vous avez des questions, comme d'hab, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Les commentaires sont faits pour ça, n'hésitez pas. Cette vidéo sera sans doute sortie en 2019, après les fêtes. Vu que je la tourne là, on est à Noël, là. Noël sous 30 degrés. Donc, je vous souhaite en retard des bonnes fêtes et dans tous les cas, une très bonne année 2019 et on se retrouve très bientôt. Salut à tous et prenez soin de vous. Salut!